La mesure a été votée lundi soir par le conseil municipal de Valence. La suppression de certaines aides de la ville aux familles de délinquants. Parmi elles, on trouve notamment le chèque culture, le chèque sport ou encore l'aide alimentaire. Une décision prise pour responsabiliser les familles, car les violences urbaines comme les rodéos et les attaques contre les forces de l'ordre sont récurrentes dans la ville. Pour moi, c'est devenu insupportable. Notre État est impuissant, la police n'a pas les moyens, la justice ne condamne pas, à mon sens, suffisamment sévèrement. Et on retrouve toujours les mêmes, ces jeunes dont les parents ne s'occupent pas, dont ils n'assurent pas l'éducation. On sait qu'ils ont souvent déjà un casier, qu'ils ont commis des actes. Et on sait aussi, nous, côté ville, que malheureusement, on met en œuvre des dispositifs d'accompagnement, d'animation, de prévention, d'éducation qui leur bénéficient. À Valence, les élus La France Insoumise dénoncent une mesure populiste et disent réfléchir à un recours sur le principe d'universalité du service public.